Then you give money you need to show for the price. เท่าไร ยี่สิบ can ask how like the price you can ask ถามเราดูอยู่ประเทศไหนคะอยู่ประเทศไหนและอยู่คำฟอร์มโอ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสน้อยอังกฤษ This one you exchange just dessert 10 baht for me for madam ถุงละ10 บาทไม่ว่าจ้ะ Yeah 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 2 กิโล 6 บาทThis one beautiful. Uh-huh. If you love, he discount 180 for you. He come from Tetili, huh? Hey, I'll be long YouTube, did it? You can explain. Voilà. On a fait les... Parce que j'en ai qu'une chemise, comme ça va durer 3 jours. Il en faut 2, au moins. Donc là, on a fait un petit tour au marché. Et 180 bahts. Donc ça fait 18 par 4. 4 x 4, 16. Allez, 4,50€. 4,50€ pour Salut les Farang. On a été au marché ce matin, au Talat. Talat, c'est le marché en Thaïlande. Faire 2-3 courses. J'ai gardé la belle chemise, mais cet après-midi, je vais travailler. C'était juste pour vous présenter la vie en Nissan et le coût de la vie en Nissan. Donc moi, les talates, les marchés, je les appelle les marchés à 20 bahts. Parce que 20 bahts, c'est 50 centimes d'euros, grosso modo 1,40€ bahts. Et donc pour 20 bahts, ben, vous avez ce petit repas de midi qui est déjà bien copieux, mais c'est pour vous montrer. Normalement, on mange que ça. Donc ça s'appelle Nemkok. Il y a un petit peu de porc, des herbes, etc. 20 bahts, 50 centimes d'euros. La saucisse d'Issan, Saikor, c'est une saucisse porc et vermicelle. Au début, j'avais un peu peur, mais c'est bon. 20 bahts, 50 centimes d'euros, donc 50-50, 1 euro. Et les popiak, c'est comme une sorte de nem, sauf qu'il n'y a pas de... c'est que des légumes dedans. Soja, etc. Donc on est à 1,50€. Et déjà c'est beaucoup là. Normalement on mange que ça. La petite sauce. Et
Donc voilà, et donc ben, pour on va déguster. Donc ça, on fait réchauffer, ça, ça se mange froid, ça, ça peut se faire réchauffer, mais ça se mange froid aussi. Voilà, le petit déjeuner, 1,50 €. Donc la viande, alors c'est sûr que vous n'aurez pas de Bordeaux ici, mais si vous avez des petits moyens financiers, une petite retraite, etc., c'est vrai que la viande, ça, c'est ce qui se prête le mieux en termes de qualité de vie, de rapport coût-qualité, etc. Bon, je ne vous cache pas que de temps en temps, on achète une petite bouteille de vin, etc. Mais au moins, ben, on vit local, on va dire. Ok ? Bon, ben voilà, c'était juste pour vous présenter notre vie au quotidien en Issagne. Ok ?